Hello la team Popo, aujourd'hui on répond à vos As-tu déjà épisode 2. Avez-vous déjà envoyé un sexto alors que vous étiez au boulot? Bah oui. Oui, bah c'est la base aussi. Hein. Exemple de sexto, ils ont. J'en ai un tout simple. Vas-y. Aubergine abricot. C'est vrai. Bah je sais pas, qu'est-ce que je t'envoie comme. C'est des conneries, à chaque fois c'est plus pour rigoler. Nous c'est pas des sextos, non, on se chauffe voilà, vraiment. Oui, voilà, non, c'est ce que je veux dire. Ou alors si la veille, genre on a fait un câlin. Si on a fait un câlin, je t'envoie, t'avais une grosse bite. T'es sérieuse? Bah. Ah mais là tu rentres directement dans les faits là, dans le... Oh ça va, on mettra moins de 18 sur la vidéo. Ouais c'est vrai. Ou alors elle m'envoie goutte d'eau, goutte d'eau. Mm. Ouais. Grosse goutte d'eau, ouais. Océan. Baleine. Parapluie, baleine. Ah t'es trop forte. Avez-vous déjà répondu à un appel pendant l'acte? Toi oui. Moi oui. Plutôt au début quand j'étais appelé pour aller travailler ou un truc comme ça. Je répondais. Avez-vous déjà regardé un porno à deux pendant l'amour? Bah oui. Bah oui. Je pense que c'est une des premières bases quand tu veux commencer à pimenter un peu ton couple. Et faites-le parce que je vous jure qu'on se marre bien. On se marre bien pour le coup. Parce que c'est même pas regarder comme deux excités. En vrai. Bah oui, non. Quand tu le mets, c'est plus pour te marrer. Et tu te marres vraiment. Mmh. Tu te marres vraiment. Et à un moment donné, ça t'a chauffé un peu. C'est obligé. Ça t'a chauffé un peu. Mmh, mais... caliente. Mais au final... Tu dis, pourquoi tu fais pas ça, toi? C'est vrai. Et déjà, moi, j'arrive même pas à tenir ma bite à deux mains, alors... je suis chaud. Les mecs, ils s'entendent tout seul, quoi. Bah non, mais deux mains, bébé, c'est un truc de ouf. Et il reste encore de la place, hein, en dessous de ces doigts. Ouais. Avez-vous déjà fait des achats dans un sex shop? Si oui, quoi? Bah oui. Bah oui. Ça oui, bah déjà la première chose que vous pouvez acheter dans un sex shop, que tout le monde peut faire, c'est de la lingerie les gars. D'ailleurs si vous avez honte d'aller dans un sex shop, faites-le en ligne. Et c'est le moment où tu mets un code promo, tu sais. Envoyez bite à demain. Avez-vous déjà simulé pendant l'amour? Non. Non. Êtes-vous un menteur? Avez-vous déjà menti? Oui. Non. Y'a même pas d'intérêt en fait, de simuler. Ça sert à rien, je pense. Enfin, ah ouais, quand t'es en couple comme nous, après 10 ans, y'a même plus d'intérêt même de... au début. Ouais, c'est vrai. Non, moi, mais j'ai après, jamais trouvé l'intérêt y a des meufs qui... Je sais pas pourquoi elles font ça, je sais pas. En vrai, s'il y a un truc qui va pas, faut le dire à ton mec. Bah ouais, j'allais dire, c'est quoi? C'est pour... Bah, flatter l'autre, ouais. Ouais, remettre un peu d'ego, ouais, je sais pas comment on dit. La peur de le gêner, j'en sais rien. Y a des gens comme ça. Ah ouais. Je sais pas, mais bon, bah nous, c'est pas notre truc. Avez-vous déjà trompé l'autre? Non. Rapide celle-ci. Mais même si on l'avait fait, on le dirait pas. Mais si jamais il y a des questions comme ça, si tu veux faire, mais tu peux pas être honnête si c'est vrai. Imagine le gars il t'a trompé, il te l'a jamais dit. Ah oui. Et là c'est le. Ou alors c'est des gens qui se sont trompés et qui l'assument. Tu vois, genre. Oui. Oui, il m'a déjà trompé sans parler. Oui, parce qu'il y a déjà eu. Genre les anges de la télé-réalité, quoi. Ouais. Mais c'est pas ici, nous. Vous êtes-vous déjà touché solo? Sans que l'autre le sache. Ah non, mais c'est une question bête, parce que tout le monde le fait. Tout le monde l'a déjà fait au moins une fois. Je pense que quand ça fait 10, 15, 20 ans que t'es ensemble, forcément que c'est déjà arrivé. Là. Vous êtes-vous déjà endormi? N'empêche, t'as gêne sur la question d'avant, je veux tout dire. Hein, c'est... Non, en fait, c'est gênant quand même, parce que je me dis, pour alors toi, tu t'en fous de dire que j'ai une grosse bite devant tes parents, mais tu veux pas répondre. Et prout, je vais cracher l'eau. Vous êtes-vous déjà endormi pendant l'acte? Moi aussi je vais rincer ma bouche. Non. Non plus. T'as quand même hésité beaucoup ou t'as avalé? Ben non, je réfléchissais parce que je me... parce que je réfléchissais si ça avait été arrivé, mais non. Vu comment je te secoue. Mais j'allais dire, comment c'est possible en vrai de t'endormir? Ou alors c'est vraiment quelque chose qui se fait genre très doucement, très... Ouais, en gros, ou alors faut tu t'ennuies quoi. Cette personne qui a...
Cette question elle est magique parce que je me dis que si la personne l'a posée, c'est que ça lui est peut-être déjà arrivé. Avez-vous déjà vomi ou eu la diarrhée pendant l'acte? C'est chaud. Non. Après, non. Le dégorgeoir, qu'on appelle, quoi. Oh, mais c'est dégueulasse. C'est jamais arrivé. Ouais, non. C'est jamais arrivé. Non, mais... c'est déjà mais c'est déjà arrivé à quelqu'un qu'on connaît et on ne veut pas dire le nom. Non. Mais qui nous a été balancé comme ça sur un parking en plus. L'histoire. Truc de ouf. Mais du coup, on les embrasse. S'ils regardent la vidéo, on les embrasse. S'ils se reconnaissent. Comme quoi, si la personne à qui il m'a posé cette question veut bien se manifester pour me dire si ça lui est déjà arrivé, surtout si c'est la diarrhée. Parce que là, c'est chaud. Mais moi, je t'ai déjà dit un truc une fois. Je t'ai dit, bébé, j'ai envie de faire caca. Mais ça, c'est la base, je pense, d'avoir envie de faire caca, mais... Je pense que c'est l'effort qu'on fournit. Je sais pas. Vous arrivez à nous poser des questions où on est gêné quand même un peu, alors qu'en vrai, on n'est jamais gêné, nous. Surtout toi. Avez-vous déjà léché les pieds de l'autre? Non. Fais un bisou, oui. Pas lécher. Bah déjà, je les touche même pas tes pieds, toi. Pas que non. J'ai la phobie des pieds, hein. C'est juste que ses pieds sont bizarres. J'ai déjà croqué ton gros orteil. Par exemple, la semaine dernière, elle était dans le lit et elle était en train de lire et il y a que son gros orteil qui dépassait de la couette. Et j'ai bondi dans le lit, j'ai croqué ton gros orteil. Rien de dégueulasse quand on coupe là. On s'amuse comme des fous. T'as les pieds propres en plus. Avez-vous déjà fait des jeux de rôle pour pimenter les canards? Une fois, c'était au tout début. Tout début, ouais. Mais non. Ah ouais, je crois que c'est tout. Non, c'est pas notre... Je t'ai habillé en écolière. Faut jamais rien se refuser. Après, peut-être plus tard, on fera des trucs. Hein. Avez-vous déjà été surpris en train de faire des choses coquines en 10 ans de vie commune? Surpris, il y a surpris et surpris. Surpris, on sait ou surpris, on te voit? Donc moi, surpris, on sait. Surpris, on te voit, non. Jamais. Oui, non, surpris, on te voit, non. C'est jamais arrivé. Mais surpris, on sait, oui. Oui, oui, c'est obligé. Il y a une fois surtout qui je crois, elle va marquer toute ma vie. Moi aussi. En fait, mais c'est au camping. C'était... Non. Ouais. Ah, non, moi, c'est avec tes parents. En fait, c'était au tout début. Et en fait, j'en ai juste entendu ton père qui a dit « Bonne nuit, les enfants !» à travers la porte. Oui, je me souviens. Et disons, on était un peu en plein acte, donc... Bah, on passait des jeunes bonnes nuits. Bah oui, je crois que c'était le début que tu venais à la maison. Ah ouais, ouais, ouais. Bonne nuit, les enfants. Ah, bah, elle va être bonne, père. On s'est fait un check bien... En plus, ça avait tout cassé. Je pense que lui, il s'était marré parce que je pense que c'était le but de casser le truc. Mais toi, c'est quoi? Moi, je m'en souviens de une. Vas-y. Mais et là, c'est pareil. Tu prends. Bah, c'est une fois où on était parti à la piscine au camping. Ah oui, ouais. Et en fait, au bout d'une heure, la piscine, c'était chiant. Et on a décidé d'aller se laver pour enlever le chlore. C'est vrai. L'explication, pour enlever le chlore. Non, mais c'est vrai. En plus, c'était ça, là. Et puis, on a fait c'était la base dans les douches du camping. Sauf que tes parents, ils étaient enfermés dehors. Oui, parce que c'est comme eux, ils étaient partis en excursion, ou je sais plus ce qu'ils étaient partis faire. Oh, du coup, c'est nous, on avait les clés. T'as la honte. Bah, là, comment on s'est fait engueuler? Parce que du coup, ils ne nous trouvaient pas, déjà. Ils ne nous trouvaient pas dans les douches. On a entendu Flo. Oui. Et t'as donné les clés. Après, quand on a mangé, c'était silencieux. Hein. Tu te souviens? Oh, la honte. Bon, ça arrive. Ouais. Hein. Ouais, on a tous fait. Hein. On a tous fait. Ah, c'est dégueulasse. Avez-vous déjà couché ensemble dans le lit de vos parents? Bah non. Non. C'est dégueulasse. Faut faire ça, les gens. J'ai jamais compris ceux qui faisaient ça. Ouais, délibérément, aller dans le lit des parents, c'est chaud. Voilà, est-ce que c'est parce qu'à ce moment-là, les gens, ils ont encore l'idée d'une personne, ils disent, vas-y, viens, on va être plus à l'aise, on va dans un plus grand lit. Et du coup, ils vont dans celui qui est dans la maison, mais bon, c'est bizarre. Non, mais ça me... Même pas ça me réalise, je préfère qu'en faire ça par terre ou dans un lit d'une place ou... Partout, sauf dans le lit des parents. Avez-vous déjà envoyé un message X par erreur à quelqu'un? Non, parce que quand ça arrive qu'on s'envoie des messages, je vérifie 15 fois que c'est bientôt que j'envoie. C'est vrai. Est-ce que ça arrive? C'est trop. Parce qu'en plus, à chaque fois, ces moments-là, quand t'as tes messages, c'est toujours des personnes où il faut mieux pas envoyer. Genre ton père ou tu vois vrai. Qui est... Bah, c'est les dernières personnes qui t'envoient des textos. Avez-vous déjà réalisé des fantasmes? Ah oui. C'est la base, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu réfléchis là? C'est juste que, en vrai, je réfléchissais parce que je me dis, les gens qui posent la question.
peut-être qu'ils le font pas. Peut-être qu'ils le font pas entre eux et du coup, bah. Je sais pas qu'est-ce qui a posé la question. Mais. Après, ça rejoint un peu ce qu'on disait dans une ancienne vidéo. Enfin. Quand t'es avec la personne que t'aimes, t'es pas censé avoir de. De limite. De limite, ouais. Avez-vous déjà fait l'amour ou des bêtises dans un lieu public? Ben, je pense que oui. Tu dis non, mais je pense que oui, mais. Bah, je me souviens à la piscine, justement. Des essayages, là, où tu comme te... ça. Où... Non, pas une cabine d'essayage, mais une cabine à la piscine, là où tu te changes. Ouais, bah c'est une cabine de change, là. Moi, je me souviens dans une cabine d'essayage. Dans une cabine d'essayage? Ouais, c'est longtemps. Hein. On aurait fait ça dans une cabine d'essayage? Ouais, c'était au champ de Noël, mais on n'a pas dit jusqu'au bout. Hein. Je me souviens. Ah, bah, Vlad, t'as des souvenirs, toi, quand on fait des choses. Eh, ça fait déjà deux vidéos, hein, tu me fais ça. Je suis là de rien. Hein. Si, je crois que c'était chez Levi's même en plus. On n'achetait jamais chez Levi's. Bah ouais, c'est quoi chez Levi's? Parce que c'était la seule cabine d'essayage, c'était une porte par un rideau. Ah ouais, je me souviens. Je sais, ça faisait... On avait même pas le studio. T'avais potassé sur le. Ah oui, bah d'accord, bah c'est normal que je me souviens plus alors. Ouais. Non, ça fait 9 ans au moins le truc. Bah ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Bah mais celle-là, je sais pas si je vais les dire. Je sais qu'il les a posé les questions, j'ai limite envie de la dénoncer tellement c'est. Non, c'est chaud, hein. C'est qui a posé ça? J'ai fait plein de mouvements de bouche pour que les gens ne savent pas. C'est ma loot. Avez-vous déjà pris un doigt dans le cul? Oui, par un docteur, voilà. Moi, j'ai déjà tout dit. Parce que j'étais malade, j'étais constipé. J'étais petit, je faisais pas caca. Et le gars, je pense que c'était la première étape avant le lavement, tu vois. Et au final, il a dit, vous inquiétez pas, il va chier. Il m'a mis un truc à l'huile dans les fesses, mais j'ai fait caca. Tu me la racontes souvent en ce moment. Bah, je suis choqué, je suis marqué encore, hein, ouais. Plus de 20 je ans crois après. Cette semaine, enfin là, en 10 jours, garde, ça fait gêné encore, que tu me racontes. Garde, je suis gêné encore. Ah, bah, oui, vas-y, tu me mets dans la merde alors. Bah, oui. On s'arrêtera là sans J'ai pas d'explication. Avez-vous déjà mis un doigt dans le cul? C'est la même personne. Hein. Bah oui. Au docteur, juste après. Retour à l'envoyé. Hein. Retour à l'envoyé. Hein. Bah mais tu veux pas. Dans le mien? Oui. Mais non. Tu touches pas, arrête. Même avec de l'huile de l'imprimante, on le fera pas. Mais si, bah oui, c'est la base. En plus, c'est cool. Y'a rien, c'est pas sale du tout. Vous pouvez y aller. C'est bien serré, normalement, après, y'a plus rien quand ça sort. C'est dégueulasse, hein. On est dégueulasse, quand même. Bah, c'est toi, surtout. On est des gens pas fréquentables. Ouais, non. On en fait rire les gens un petit peu dans ce monde de brut. Allez, on termine sur une vraiment rigolote. Avez-vous déjà lâché un P pendant l'acte? Bah oui. Elle est sortie d'un naturel, celui-là. Bah oui. Bah oui, même moi. J'ai déjà arrivé. C'est la base. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous. Merci d'avoir regardé notre dernière vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la bulle juste à gauche de Florian. Vous pouvez nous suivre sur Instagram ou regarder notre dernière vidéo en cliquant sur la droite. Salut.